Nous allons voir comment concevoir le jeton d'Arcadie. Alors, tout d'abord, on va utiliser le logiciel CheckArcade. On va ouvrir une nouvelle conception 3D. Ensuite, on va mettre un titre, comme ça c'est fait. Comme ça fait partie du TP14, nous allons le nommer tout de suite. On rajoute toujours son nom, son prénom et sa classe. Pour faire le jeton, on va prendre un cylindre, l'objet cylindre. On va le paramétrer tout de suite. On sait que le jeton fait à peu près 23 mm par 23. On va lui mettre une hauteur de 2,2. Ensuite, on va lui mettre ici un perçage, un texte en perçage. Le texte sera les initiales, donc ça sera la première lettre du nom, la première lettre du prénom, première lettre du nom, du prénom et de la classe. Imaginons que c'est les 5A. Et là, on peut adapter les initiales rapidement. Un autre jeton. Voilà, on sélectionne et on associe. Et pour pouvoir le mettre sur un porte-clés, on va utiliser un cylindre rempli. Je préfère utiliser un rempli pour bien voir ce que je fais. Et souvent, je change de couleur. Je le place à l'endroit voulu. Je réduis encore la taille. Je le place. Je regarde à peu près. Je le mets en mode perçage. Je sélectionne tout. J'associe. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.